I was born 87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Oblivion. Et donc, je vous ai choisi la quête. Étant donné qu'on a beaucoup tué d'ours innocents dans le dernier épisode, je me suis dit que c'était logique de tuer de nouveau des ours. Alors attendez... Par où c'est déjà? Je crois que c'est pas loin de ce sanctuaire. On va essayer de retrouver ça. Il y a un coin... Un pas inintéressant qui se rapproche de Kvatch, par là quelque part. On devrait avoir des choses intéressantes. Alors attendez, je vais mettre en forme spectrale parce que ce serait bête de faire de mauvaises rencontres le temps que je nous retrouve ça. Parce que je sais plus exactement où c'est, je sais juste que c'est dans le coin. Ah, là je vois l'icône d'un petit village... sur ma boussole. Je pense que c'est là. Ça m'a l'air pas mal. Si c'est pas là, on fouillera ailleurs. En tout cas, il y a un monsieur qu'on va sauter par-dessus pour lui parler. Bonjour. J'aimerais bien pouvoir être plus accueillant, mais je suis un peu distrait. J'ai un problème avec des ours et je ne sais pas quoi faire pour le résoudre. Et voilà, c'est bien lui. Comment ça, vous avez un problème avec des ours? Mon petit troupeau de moutons a été agressé récemment. J'avais espéré résoudre le problème en construisant une clôture, mais ça n'a rien changé du tout. Et puis un jour, alors que je m'apprêtais à sortir, j'ai vu les coupables. Une bande d'ours du Veld occidental, traînée avec une carcasse de moutons. Il m'est impossible de chasser ces bêtes féroces tout seul. Si vous pouviez en réduire la population un peu, ils quitteraient sûrement la région. Je vais vous le dire. Tuez-en 6. Apportez-moi les crocs comme preuve, et je vous récompenserai généreusement. Je vous en prie. Vous êtes mon seul espoir. Donc voilà, là, on a une bonne raison de tuer des ours. On va quand même lui demander pour les rumeurs. Ce qui va devenir l'Empire à présent. Ok, ça va, on connaît. Sales ours. Ils vont finir par me faire partir de Roc Tesson si ça continue. On choisit, entre les moutons et les ours. Et nous, on va sauver les moutons. Coucou. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... chercher des ours. Alors attendez, pour nous faciliter un peu la vie, je pense qu'on va mettre le capuchon. Et qu'on va se préparer à invoquer notre ami. Ah voilà, il y en a un. Bonjour! Tu as vu mon Atronach. Voilà, donc il faut qu'on en tue 6. Ça va ralentir un peu. Non, parce que elles sont costauds ces bestioles, Voilà, tu es mort, c'est bien. J'ai plus de mana, alors j'ai récupéré le premier croc d'ours du Weld occidental sur un ours qui menaçait les moutons de Torlé à Telred. Je sais pas si on peut attendre. On va attendre, ouais, parce que sans mana, ça va être compliqué. Je vais récupérer mon Atronach, le bon Atronach si possible. Bon là c'est tout con, il faut se promener dans le coin. Là j'en vois un. Hop. Attendez moi, est-ce que je peux pas lui faire plus mal? Pas avec ça, c'est sûr. Est-ce que ça... Ouais, ça m'a l'air plus efficace que le feu. Après c'est peut-être dans ma tête, Un deuxième croc, j'ai récupéré le deuxième croc d'ours du Weld occidental. On va attendre. Sauvegarder. Récupérer notre petit Atronach. Et continuer à chercher des nounours. Je crois qu'il y en a un qui m'a vu en tout cas.
Ah, le voilà. Alors. Oh, voyez ses petites dents et tout. Oh. Oh, je sais pas si, si ça fait beaucoup plus mal. Peut-être une idée. Hein. Alors, j'ai récupéré le troisième croc d'ours du Weald occidental. On va réattendre. Hop. Récupérer notre Atronach. Continuer à fouiller. Bon, je croyais avoir marché sur un truc bizarre, mais pas du tout. En fait, ils me voient avant que je les voie. Hein. Pas possible. J'essaie de me mettre en terrain découvert, mais... Protège-moi, je sais pas où il est. Ah, il est là. Super. Il me voit avant moi. Ouais. Vraiment. Je me mets au niveau du cul parce que visiblement ça lui fait davantage mal quand je suis complètement derrière lui. Ah! 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 Bah c'est pour ça, j'ai pas assez de magie. Quelle idiote. Non mais c'est pas vrai. J'ai récupéré le quatrième croc d'ours du Weald occidental. Je vais me cacher dans son cadavre le temps de récupérer de la vie et de la mana. Super. Alors, hop. Et on continue à se promener, du coup. Alors, moi, je les vois pas. Pourtant, j'ai mon casque. C'est ça qui est étonnant, c'est que même avec mon casque, je ne les vois pas, moi. Coucou, je fais du bruit, je me montre. Voilà. Voilà. Alors, tac. Hop. Ok, plus qu'un coup. J'attends de récupérer ma mana. Hein. Il va détruire mon Atronach, mais c'est bon, il est mort. Voilà. J'ai récupéré le cinquième croc d'ours du Weald occidental. On va attendre la mana encore. Récupérer l'Atronach. Toujours attention qu'on ne croise pas un garde par mes gardes. Et qu'il veuille nous tuer parce que nous sommes le renard gris. Ce serait dommage. C'est vrai qu'il en avait beaucoup des ours à côté de... Oh oh. À côté de chez lui, c'est con. C'est quoi ça? C'est mouton. On va pas attaquer ces moutons. Nous, on veut des ours. Ouais, mais j'en vois vraiment pas, là. En plus, il fait nuit, on voit que dalle. Moi non plus, je vois que dalle, hein, je vous rassure. C'est pas que vous, là. Moi aussi. Bon, suffit de se promener, on va finir par tomber dessus, on a plein dans le coin. Il y en a plein, pas mal d'endroits de toute façon, des ours. Mmh. Oh. Je suis un mouton. Venez me manger, je suis un mouton du monsieur dont vous aimez les moutons. Et j'en suis un, me voici, me voilà, je me promène toute seule. Je n'ai personne pour me protéger. Vous pouvez venir me tuer. Ouh. Ouh. Allez, allez. Bah, attaquez-moi, mon sang. Mais ils sont où, ces ours? C'est pas possible. Ils sont tous partis se coucher ou quoi? C'est dingue. Un ours! Oui, coucou. Viens m'attaquer. Regarde. J'ai un bel Atronach. Hop. Et voilà. Il est mort. J'ai récupéré le dernier croc d'ours du Weald occidental. Il faut que je retourne à Roc Tesson pour donner les crocs à Torlé à Ethelred. Ok, donc génial. Donc du coup, on va pouvoir enlever notre capuchon. Avant d'avoir des petits problèmes. Sauvegarder. Et retourner à Roc Tesson, dont je n'ai aucune idée d'où c'est, ça a l'air par là. Mais qu'est-ce que je fais? Je voulais flottabilité. Voilà, voilà, super. Voilà, comme ça on continue à augmenter tranquillement notre acrobatie et notre altération, et tout va bien. Allez. Bonsoir, j'ai tué tous les ours. Oh. Je me sens beaucoup mieux maintenant que vous êtes ici. Ah, c'est vrai? Merci. Je vais quand même regarder si vous avez pas des bouquins que j'ai pas lus, hein, si vous m'en voulez pas. Oh, du pinard. Eh, discrètement. Hein.
Alors, hop. Pardon. Oui, voilà. Je ne sais pas d'où viennent ces ours, ni pourquoi ils ont choisi d'attaquer ma maison, mais vous devez les chasser. Je les ai chassés. J'en ai tué 6. Je n'arrive pas à le croire. Vous avez réussi. Bah oui. Eh bien, j'espère que cela finira par les faire partir. Il en reste peut-être encore quelques-uns, mais je pense que cela devrait suffire. Hey. Bon, et cette récompense que j'avais promise? Oh bah déjà, rien que le fait qu'il soit content, moi, ça me suffit. Oh. Ah, c'est un bouquin, la récompense. J'avais totalement oublié que c'était un bouquin. Génial. Revenez me voir quand vous voudrez. Merci. On va voir ce que c'est, du coup, comme bouquin. Histoire de Maître Zoharheim. Écoutez, je crois que je l'avais jamais lu, ça. Oh là 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 là. Non, je l'ai jamais lu, ce livre. Super. Eh ben écoutez, là, je suis contente. Et du coup, on va rentrer chez nous. On va rentrer chez nous. Bah donc, soit j'avais oublié que je l'avais lu, soit c'est aléatoire comme récompense. En tout cas, c'est juste génial. Je suis contente. On a un nouveau livre, donc super. Attendez, je crois qu'on n'a rien à vendre, hein, là. Du coup, je vais quand même vérifier par acquis de conscience, mais on n'a rien gagné à part le livre. Rien gagné à part le livre. Non, non, non. Même pas des peaux d'ours. Oh, c'est pas très gentil, ça. On aurait dû... Eh, mais j'avais pas rangé les gemmes spirituelles. On va aller ranger ça, du coup. On va ranger les gemmes spirituelles. Ça nous fait quand même un petit quelque chose à ranger. Et bah, vu que c'est très court, vous aurez un épisode la semaine prochaine, sûrement. À moins que je vous le mette à la suite de l'autre. Je sais pas, je verrai. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas. Vous savez très bien que quand c'est court... Vous attendez moins longtemps la suite, hein, quand même. Et moi, c'est pareil. De toute façon, j'aime pas quand c'est trop éloigné. Honnêtement, si j'avais le temps, si j'avais rien à faire de ma vie, à part tourner des vidéos, je pense que vous auriez une vidéo d'Oblivion absolument tous les jours, si ce n'est 2 à 3 fois par jour, parce que c'est trop bien. Donc voilà. Enfin bon. Ouais, de toute façon, on fait tous comme on peut. Et puis voilà. Donc voilà, hop. L'important, c'est qu'au final, vous les ayez toutes. Et c'est l'important. Alors voilà, on va aller chez nous. Bah du coup, voilà, on a fini cette quête. Du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine quête secondaire. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt !